Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Anno 1800. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en train de fabriquer un moteur à vapeur. Un pétrolier, un bateau à vapeur, voilà. Donc, j'ai pris un peu d'avance en fait. Je vous montrerai, j'ai fait plein de changements avant qu'on démarre vraiment l'épisode. Donc, les revenus sont stabilisés. Parfait. Donc on va aller le voir quand même. Ce beau pétrolier, voilà. Et donc ce pétrolier va aller sur une route que j'ai créée préalablement, ici, entre Hispaniola, où j'ai amené les matériaux de construction nécessaires pour produire du pétrole, on va continuer à en amener. Et on va mettre, voilà, ce second navire, boum. Donc j'avais d'autres soucis encore d'électrification, non pas que je n'ai pas assez de pétrole, enfin un petit peu, si quand même un petit peu, mais voilà j'avais des segments bloqués et je sais pas pourquoi ça m'est complètement sorti de la tête, mais alors complètement, j'ai oublié que c'était du sens unique les voies et on voit que voilà quand on fait, mince d'ailleurs, quand on fait un double sens, ben, y a plus de croisement. Alors par contre en sortie j'arrive pas à comprendre comment... Peut-être en faisant ça. Peut-être que si je fais ça. C'est une inspection surprise. Tu bloques moins. Est-ce que c'est possible? Eh ouais. D'accord. Donc. Ah, c'est un peu problématique ça. J'ai laissé qu'une voie ici. C'est pour ça que j'avais fait une voie de contournement ici, mais il ne veut pas forcément me la faire comme je l'avais imaginé. Et là, pareil, tu veux pas me faire le truc. Alors attends, on va démolir ça. Au moins sur ce tronçon, on va faire une double voie. Voilà, est-ce que ça règle, un petit peu plus le problème? Non, ici non. Là aussi, il faudra une double voie en fait. Sauf que j'ai pas la place, mais je pourrais avoir la place. Ne demande qu'à reprendre. Si, par exemple, je bougeais ça. Ouais, mais le béton n'a pas une urgence folle. Je pense d'ailleurs que je pourrais les détruire celle-ci. Bienvenue à la main. Tiens, démarre toi. Et toi, on va te démolir. Je pense pas que le béton ait besoin d'autant. J'en ai fait deux pour équilibrer, mais sincèrement, simplement suffisant une. Donc pareil, est-ce que je peux décaler pour faire une seconde voie ici? Certainement oui. Usine d'armement. On va tout redécaler de 1. Pour avoir un aller-retour ici aussi. Et éviter d'avoir... Oula, petit lag. J'ai baissé un peu les graphismes, j'ai pas l'impression que ça se voit. Hop. Alors ici j'ai pas forcément besoin d'une route. C'est vraiment crado par là. Tiens d'ailleurs on va démolir ça. Alors attends avant qu'il m'embête. Pénurie de cigares, on va venir au cigare. On va publier. Ah oui, je me suis allié à Jean Lafortune aussi, il a accepté. C'est assez dingue. D'être fidèle à ce qu'on est. Ah oui, tout à fait. Quel miracle ce... Voilà, est-ce que là on est bon? Toujours pas. C'est l'arrivée ici qui est pas bonne. Ah. Il marche pas comme le système de route, le système de rail. Voilà, déjà là ce sera mieux. Et maintenant... Pourquoi tu vas pas droit là? Passe par là. Ah, je sais, il y a un bout de route ici. Voilà. Une quête de destruction, si tu veux. Détruisez les deux frégates. Ouais. Mixte. Tenir la position, attaque totale, ouais. Sur... La flotte se déplace.
Venez là. À ce niveau-là, on revient. On est bon, là, j'ai tout reconnecté. Non, je vais pas reconnecter ça, évidemment. Donc, on a dit que toi, tu pouvais dégager. Voilà, on regagne un peu en attrait. Et mes problèmes de revenus viennent du fait que j'ai dû oublier une connexion à droite ou à gauche, mais j'ai pas l'impression, non. Donc, d'où viennent mes problèmes de revenus? Eh bien, du rhum qui est pas arrivé. J'ai refait du rhum alors. Avez-vous déjà entendu l'expression? Ouais. Ça, c'est pour le manteau de fourrure. J'ai refait du rhum sur. Tiens, parfait. Encore un pétrolier. Deux. Ah, attends. Je vous ai oublié, vous. Comment ça, vous n'êtes pas connecté à un entrepôt? Ouais. Et... donc, ouais, le rhum... Alors attends, je vérifie quand même là ce qu'on a fait. Ah ben voilà. On n'a plus de tronçon. On n'a plus de tronçon bloqué. Parfait. Parfait. Donc ici je pourrais même refaire la même chose. C'est-à-dire couper ça, le décaler de 1. Ouais. Et ici... Ah. C'est pénible. Voilà. Et d'ailleurs, on peut même faire ça et ça. Voilà. Et donc, on vient reconnecter la route ici, 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 pourquoi pas. Là, je pourrais réagencer aussi. Celle-ci est inutile. Non, on est bien. On est bien. Vérifions 2-3 trucs. Ouais, c'est le rhum qui manque. Alors, on va regarder maintenant pour... au niveau ingénieur, les ampoules, logiquement, il faut pas grand-chose. Ah si. Usine de filament, il faut juste du charbon. Mais j'en ai plein sur l'île. Du verre, idem. Et ça fait donc des ampoules. Logiquement, j'ai juste à faire ça. Et ça démarre la production. Alors ici, on va essayer de modifier un petit peu. Voilà. Toi on te met là. Alors est-ce que... Ok, c'est assez gros. Toi tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Nous sommes à court d'espace de stockage. Ouais, des lunettes, on en a plein, ok. On en a plein, donc je peux carrément en démolir une. Hop. Tout ça n'a plus lieu d'être. Ça d'ailleurs même jusque là. Alors, tu prends une certaine place, et toi? D'accord. Là, tu pourrais rentrer si je coupais cette route. Ouais, et toi? Ouais, toi, t'es assez gros aussi. Hein. Ok, alors on va faire ça comme ça. Alors, c'est du combien, pardon? 1 minute. 1 minute, ok. On dirait le même bâtiment. Mais oui, non. Bah si, on dirait le même bâtiment. Ok, bon, c'est pas dramatique. Voilà. Ça fait remonter les revenus. On va produire des ampoules. Ok. Et tiens, l'entrepôt, on va te le reconnecter ici. Voilà. D'ailleurs, on peut faire ça. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Alors, si on veut s'armer... Là, il va falloir des choses. Les grands bis. Ça demande du latex, ça c'est dans le Nouveau Monde. Et ensuite on pourra produire les gambis.
D'accord. Les montres à gousset, ça demande de l'or, mais alors attendez. Ça, je vous l'avais pas dit, ou je l'avais pas montré plutôt. La formule est incomplète. Oui, mais il suffit que ça démarre, hein. Vas-y. Je vous l'avais pas montré, je vérifie quand même. Le pendule oscille entre satisfaction et consternation. j'ai l'impression qu'il y a eu... il est où ? Là ? Non. Je veux dire qu'il y a eu une rentrée de pétrole, mais non. On peut plus rien stocker. Tu peux t'arrêter du coup. Quand j'aurai des soucis, je te relancerai. C'est quoi là ? Quel bon vent vous amène ? Ouais, les vêtements, j'ai regardé vite fait. Mais je pense qu'on est largement dessus. Voilà, on a une demande de 3 en produit pour 12. Donc 1, ça doit produire 4, ça fait que j'en ai 3 et je produis pour 12, voilà déjà. Ok, à terme je disais ne plus avoir 7 classes de population. Voilà, et pour être sûr d'avoir de la main d'œuvre nécessaire, je viens ici. Ah merde, j'ai pas vu. J'avais pas vu, désolé. Ah, il va manquer des vitres. Eh bien, mourez. Mourez. On va aller de ce côté, du coup. Chercher des artisans. J'amènerai des vitres un jour. Je pourrais en acheter aussi. Voilà. Très bien, on va être content. Bon. Donc, je disais, il nous faut de l'or pour... Tiens, cette route est très moche. Et complètement inutile, surtout. Je me demande si ça, c'est... ça a besoin d'être connecté à la route, je me doute. Je pense pas. Bon, donc, pour faire des montres à gousset, il nous faut de l'or. Et si je me rappelle bien, j'ai fait ça entre deux épisodes. Petit port pétrolier, je peux l'améliorer. Ah oui, ça se peut être bien. Parce que je stocke... Là, je stocke 1700. Parfait, un port pétrolier, je vais pouvoir stocker un max. Donc, si je me rappelle bien, j'avais fait... on va regarder au niveau des dépôts. J'avais fait de l'or ici. Peut-être dans matière première, alors... Oui, c'est pas là. Ça va être ici. Yes. J'avais fait de l'or, je crois... Alors, ça doit être ici. Vous voulez connaître les subtilités de notre travail ? Alors, on en a 3. Tiens, je vais pouvoir en faire une ici. À moins qu'il me faille. Non, c'est bon. Voilà. Et la troisième. Ici. Oui, c'est vrai que là... C'est vrai que j'avais commencé à amasser du pétrole et on est plein. Donc on créera une nouvelle route avec le bateau qui va arriver. Ouais. Et toi, il me manquait des choses. Je vais le demander à l'achat ici. Pas 200 quand même. Ça on va... Non, voilà, c'est ça que je voulais. Ok, on va faire pareil ici. J'ai dit que j'achetais là ? Oui. Et là, voilà, on achète, parce que je commerce avec Jean La Fortune, je vous montrerai ça d'ailleurs. Regardez comme ça s'est inversé, c'est fou quand même. Moyen, élevé, bien. Super. On va ranger ça dans... Est-ce que tu veux bien un pacte de non-agression ? Non, des accords commerciaux non plus. Elle a fait, ils font la gueule, quand je me suis allié à eux, je crois que j'ai pris moins 20 avec les deux. Donc ouais, c'était pas GG. Probable. Pas d'usage d'offrir une contre. Cool. Je vous rendrai l'appareil. Non. Non plus, ok. Très bien. Donc ouais, pour l'or. Ici on va pouvoir faire. Hop, si j'arrive à une nouvelle mine d'or. Qu'on va connecter au port.
navire construit. Cool. Donc, si je me souviens bien, c'est là que j'avais... Ah oui, non, là c'était le complet. Et c'est où j'ai fait mon deuxième port de pétrole, ici. À Port Santos. Donc, créer une route de pétrole. Personne n'a-t-il revendiqué cette... Non, ça c'est à MBS. Port Santos. Ancien monde. Voilà. Évidemment, le pétrole. Les concurrents sont désormais en guerre. Ah, et alors ? Je suis à Liège, on a fortune. D'accord, ça va. On peut faire quoi quand on est allié ? Mais il y a moyen de faire mieux. Ah d'accord, ça augmente pas. Bon, soit. Toi, tu veux bien ? Non. Bon. On est stable sur les besoins, ok. Donc ça y est, on va produire de l'or ici. Ça y est, la maladie s'est terminée. Donc U et mage pour tous les trucs dégommés. Votre ville s'est embellie. Tiens, j'avais des expéditions en fait, on va les faire rapidement. Et après on fait les montres à gousser. Hop. Très bien. Et expédition botanique. Un peu de foi, ça passe. Alors... On va renoncer, j'espère que je vais pas perdre trop de morale. Ça va. Si c'est la mort qui nous attend, alors d'accord. Et donc, on revient. Dans le nouveau monde, je fais plein de goélettes, parce qu'en fait, je me rends compte. Les clippers, c'est cool quand on a besoin de grosses quantités, pas très loin, parce qu'ils sont lourds. Ils sont très lourds. Et ils sont très lents, du coup, les clippers. Alors que les goélettes, je préfère, regardez. Non, pas ici, du coup. Un mauvais exemple, mais... Alors attends, juste sur le coton. Putain, mais comment je peux être vide? J'arrête pas d'en produire du coton. Ici, vous voyez, j'ai remis, je préfère 4 goélettes, donc 2x4, 8, plutôt que 2 clippers. On a une meilleure fréquence. Vos qualités de dirigeant. Vous voyez, ici, on n'est pas bon, il y en a qui font des voyages pour rien. On va créer donc une route. Je me souviens déjà plus, je crois que c'est Hispaniola. Un gisement d'or, ouais. Une. Ancien monde. Voilà, on va charger. Alors, c'est matière première, oui, de l'or. Un Hispaniola. C'est pas Hispaniola du coup. J'ai un doute là tout d'un coup. On remodifiera sinon. Elles sont où mes goélettes ? Je les ai mis sur un... Bon, on commence par ça. Et c'est pas Hispaniola que je viens de faire de l'or ? C'est à Port Santos. Carrément. Donc l'or. Tu vires Hispaniola, tu rajoutes Port Santos. Ok. Tu me remontes ça. Et du coup, toi, on va t'enlever, on va mettre du coup le Raymanta et Baroudeur. Hop. Tant pis. Je pense pas qu'il y ait une consommation folle d'or. Plus de place dans les rasers. Bon, ça c'est pas dramatique, ok. Donc, on revient dans l'ancien monde. Ici, je vais demander des vitres, lâche. Hein.
fixer le stock minimum à 40 vitres. Un de vos navires est attaqué. Quoi ? Ah oui. C'était la mission, je sais plus si je l'avais fait. Mais... Ah, ça a pas duré longtemps, mon gars. Est-ce qu'il faut ramener les preuves de quelque chose ? Il y en a un qui va y aller, ok. T'avais quoi comme autre quête ? Faut livrer ici ensuite, d'accord. Est-ce qu'il y en a un qui a récupéré ? Vous êtes sérieux ? Je viens de vous dire d'y aller. Qui est-ce qui a récupéré ? Voilà. La preuve. Ici, c'est bien, il nous remet le bateau à la maison. Là, j'ai un clipper. Je vais faire des... 4 goélettes. Voilà, et donc avec nos moteurs... Avant ça, non, on va juste... Pas les ampoules. Les montres à gousset, quand l'or va arriver, on pourra lancer la production d'horlogerie. Donc on est à 15 secondes, parce que j'en ai fait 3, mais avec les bateaux, j'arrive pas trop à savoir comment équilibrer les choses, pour être tout à fait honnête. On va le placer là. Ici, on a pris l'habitude. Ok. C'est juste pour que les pompiers aillent plus vite, mais... En fait, c'est toi qu'il faudrait que je décale. Toi... En tout cas, je sortis saturé, ça doit être bon. J'ai du mal équilibré, je m'en mettrai s'il faut. Je prends une recalculée, je vous avoue, je sais plus trop où j'en suis. Pour être tout à fait honnête, et du coup là je vais un peu resserrer tout ça. Pompier, je peux pas si. Voilà, là j'en ai là aussi. On va faire comme ça plutôt. C'est de... Ça prend le moins de place. Ouais, ça rend pas idéal. Après, t'es à côté de l'entrepôt, toi, tu peux aller là. J'aurais peut-être d'autres bâtiments plus adaptés de ce côté-là. Ok, donc les montres à gousset. Ça a dû démarrer d'ailleurs, je crois que j'avais de l'or. Ouais, j'avais 20 d'or. Donc ils ont démarré les montres à gousset. Gousset, pas gousset. Et il nous reste les grands bis. Pour ça, on a dit qu'il fallait du latex. Alors latex, c'est dans le nouveau monde. Festival des arts espagnol. Est-ce que... Ils nous ont filé des objets? Non, c'est peut-être à la fin du festival. Du latex, c'est quoi déjà? Plantation... Ah, j'en ai pas ici, d'accord. Merde. Ah, le con. J'ai pas de latex. Et voilà, va falloir faire la guerre. Qui est-ce qui a du latex? Toi. Quel con. Je pensais que ça suffisait largement, mes trois îles. Alors attends, avant de faire la guerre, on va quand même voir si... Ah, une île non colonisée. T'es où toi? Écoute, viens là. On va voir si elle, à tout hasard, elle n'a pas une, fertilité de latex. Ça coûte combien de 5000? Navire construit. Ah, parfait. Alors, en route. Là j'en ai deux, là j'en ai qu'un. Le lion rouge, go. Bon, 5000 on peut, qu'est-ce que j'ai là sinon? Un jour, je rejoindrai mes fertilité de cacao.
dès qu'on aura rendu la liberté à cette terre. Ah putain, j'ai cru, j'ai eu plein de fertilité, bananes, maïs, coton. Et encore un coup. Non. Non plus, un dernier. Après j'arrête et j'ai pas. Ah, la fertilité de latex. Aïe, à tout hasard. L'ancien monde. Est-ce que les commerçants ici, ils ont pas... J'écoute. Racontez-moi donc vos palpitantes. Une fertilité de latex. Poivron, non. Ils ont les trucs du... du monde actuel, en fait. Sur l'or, je vais rajouter... Comment ça, les réserves sont vides? C'est bien pour Santos que je fais de l'or. Ah non, c'est parce que le premier passé, il a tout pris, d'accord. Mince, ça m'embête, j'ai pas envie de faire la guerre, c'est pas vraiment pas le truc qui me plaît dans ce jeu. Bon, montre-moi ça rapidement. Ah, lui, je l'ai équipé, ce navire. Ok, on regagne du moral, c'est quand même beau ça. Mince. Je suis embêté. Je sais pas si je voulais montrer, j'ai fait le jardin botanique, mais si je voulais montrer, je crois. Oui, si je voulais montrer. J'ai rajouté un oiseau de paradis ici. Non. Ouais, j'ai mis ce qu'on avait, on a un oiseau de paradis quelque part par là. Ah mais non, je suis bête, c'est dans le zoo. Je l'ai mis ici. Là. Donc voilà, bon, on va déjà améliorer ça. Plus de maisons d'ingénieurs. Navire construit. 7000 artisans, c'est beaucoup trop. Ah oui, la banque, c'est vrai. Bon, il me faut 100 000, mais c'est tout. Amiral. Et pour l'amiral... Oula. Ah ouais, t'es grande. T'es grande, la banque. Je pourrais vous décaler, vous. Ouais, je vais vous décaler. Hop, on va faire ça rapidement ici. On va mettre la banque par là, et il y aura d'autres maisons encore là-haut. Je vous dis, à terme, on n'aura plus de... plus de population en dessous d'artisans. Toi, je vais te mettre là. Et donc, je pourrais placer la banque ici. En plus, ça doit avoir une bonne portée, je pense. Regardez. Ouais, va assez loin. C'est combien le coût d'entretien? 1000? Ça va. Enfin, ça va. C'est cher, mais à mon avis, ça rapporte. J'ai un sentiment d'inertie. Voilà, 50 pièces d'or par habitation. On va le placer déjà. Alors, du coup, est-ce qu'on rentrerait comme ça? Non. Ouais, de l'autre côté, ça me choisit, j'ai l'impression. Bon, écoute, pourquoi pas ici, quand on aura 100 000. Ah mince. Pourquoi je peux pas? Oh non! Si je la démolis? Oh mince. Ah, il va falloir que j'emmène un navire pour le zinc, ça c'est problématique. Ouais. Ouais, je le ferai entre deux épisodes. Des ruines dans ma ville, ouais, bah oui. Ou alors je demande... Mais on commerce plus ici. Avec les gens d'ici. Ah, j'ai demandé déjà. Bon, c'est rapide, hein. J'ai une goélette juste à envoyer. Voilà. On va te prendre 20 de chaque. Non. Non, c'est plutôt ça, j'aurais besoin.
je me trompe pas, tu viens ici. Et donc là... Non, c'est pas là. C'est là. Ouais, donc c'est juste à côté, ok. Tu viens là. Et c'est quoi qu'il me fallait ? Ouais, c'est bon, j'ai pris ce qu'il fallait. Donc, pour le latex, ça va être problématique. Est-ce que on a autre chose ? Non, je crois pas, on a tout fait. On a fini le niveau ingénieur là. Enfin, dès que je peux vous faire des grands bis. Sinon, alors attends, carburant c'est quoi ? Distribue du carburant à tous les tracteurs à portée. Ah ! C'est quoi ça, c'est mes navires, hein, ouais. D'accord. Donc c'est pas ici qu'il faudrait que je fasse les tracteurs, ce serait sur mes îles productrices de... où il y a beaucoup de champs finalement. Et pour les armes, alors salpêtre j'en ai ici. Tout le reste là j'ai. Même de la suie, je pense que j'en ai à ne plus savoir quoi en faire. Je vais regarder. Si je la trouve... J'aurais dû m'en tenir à ce que je sais faire. Où est-ce que j'ai fait mon savon? Je m'en souviens plus du tout. Là. Voilà. Et donc, du coup, il me faut juste de la dynamite. Pour ça, il faudrait que j'exploite... Ça se place... Ah, d'accord, ça se place au bord de l'eau. Puis le sol aussi. C'est ton meilleur allié. Mais puis le sol aussi. Et donc derrière, on va pouvoir. Bon, de toute façon, on va s'armer. Il va falloir faire la guerre à l'un ou l'autre. Derrière, on va pouvoir produire usine d'armement lourd. On va le mettre en mode architecte pour l'instant. Et la personne la plus simple à démonter, on va voir qui c'est. tiens, je peux en faire un. Parfait, deux. Très bien. On va falloir que ça débite sur le pétrole. Hein. Et donc, ouais, je disais la personne la plus simple à battre niveau guerre. T'as même lui, il est plus fort. Ils sont tous plus forts en fait. Mais certainement parce qu'ils ont des défenses, hein. C'est, ça doit être ça. Ah oui, attends, objectif. Oui. Ah putain, c'est lequel hein. Toi. Pousse-toi. Oui. Super, c'est tout. Je suis un peu dégoûté. Donc on va s'armer et je crois que de toute façon niveau port, ouais je pouvais pas, ça c'est quoi? L'embarcadère, je l'ai fait, ouais. Une grosse Bertha, qu'on va mettre, putain la portée, waouh. C'est une seule par île? Non. Ok, ça coûte combien l'entretien? 350, c'est vraiment pas grand chose. On va en placer une là. J'ai fait quelques embarcadères aussi. On va défendre toutes nos côtes. Ici, on va quand même défendre un peu nos stocks. Parce que si on perd nos stocks, on est mal. Tiens, avant, voici. Je pense que c'est parce qu'ils ont, ils défendent mieux leurs îles. Moi, je défends surtout la principale que la puissance navale. Et aussi déséquilibré entre eux et moi. Voilà, et ici on va mettre une grue de réparation. Ok, et donc de l'autre côté... ah oui, non, c'est la grosse Bertha que j'ai mis. Je l'ai là, ouais, là. Je pourrais commencer à la faire, mais... Quoique, attends.
Oui, si l'usine de dynamite, je peux. Donc, remontre-moi rapidement. On est d'accord, je produis du salpêtre, oui. 2 minutes et 1 minute, c'est-à-dire qu'il en faut 2. Donc la dynamite, on va pouvoir démarrer. Et l'usine d'armement. L'usine d'armement, je vais te mettre par là, parce que de toute manière, le charbon, j'en libre aussi. Ouh, attends. J'avais pas vu, vous n'êtes pas connecté à l'électricité. Ah, il fait galérer avec les rails. Bon. Je me sens que je l'ai mise déjà. J'ai un doute. Non. Ok. Ouais, ça avance. Donc j'ai l'impression que ça débite là sur le pétrole et ça c'est cool. J'aurais aimé voir un bateau arriver avec le pétrole. Voilà. Bon, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal niveau expédition. Ah, j'espère que c'est le dernier événement, parce que sinon je suis pas bien. Des blessures de vampire. 35%, oui. Ouah, c'est chaud pour rentrer. Ah, je suis deg. Eh ben, rentre. Je suis pas assez équipé aussi, faut le dire. Ok, alors on va juste regarder si au niveau des besoins... Ouais, les grands bis ça va, pour le reste ça va. Donc on va pouvoir encore améliorer des maisons. Sachant que... Ah oui, j'ai plus de poutres en acier, mais ça va revenir. Et finalement, est-ce que je peux faire ça comme ça, je vire... Ah mince, quel idiot. Je vire les saucisses, je crois. Non, je les ai encore les saucisses. Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que je vire? Oui, l'eau de vie, le poisson, les places de marché. Ouais. On va regarder si vous avez tout qui va bien. Ça a l'air. Hein. Ah, il vous faudra un théâtre. Mais j'ai pas mis un théâtre. Non, une école. Mais si j'ai remis un hôpital, on va remettre un petit théâtre. Ouais, je dirais ici. Pour être à peu près centré sur cette zone-là, ici, là. Ouais. Donc on perd de l'argent parce que j'ai mis des bâtiments qui coûtent un peu cher. Ça, ça va être monstrueux quand même. Plus 50 pièces d'or avec la banque. Là, c'est le début de la... Pardon, le début de la fortune. Du coup, qu'est-ce que je vous montre? Un bateau à vapeur, peut-être? Pour finir. C'est vrai qu'on l'a pas vu en action. Yes. Je peux te suivre. Aller au navire. Bof. Voilà. Donc du coup, ben, on va faire la guerre dans les épisodes qui viennent, certainement. Je vais regarder aussi un Bessa qui a pris le plus d'îles pour parce qu'on va récupérer ces îles-là. Enfin, on va récupérer les îles, on va détruire complètement le personnage, il n'existera plus. Donc on va récupérer toutes ces îles. Mais pour ça, il va falloir s'armer un petit peu. On va le faire, il n'y a pas de problème. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode, et je vous dis à bientôt. Hop, comme d'hab, on se fait une petite vue sympa. F4 et F2. Alors attends, hop, c'est mieux comme ça. Voilà. Et je vous dis donc à demain pour la suite. N'hésitez pas, comme d'hab, à me donner vos astuces et conseils dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup. Il y avait plein de trucs que j'avais oublié, comme les doubles rails. Hein. C'est vrai que j'ai oublié que c'était des rails à sens unique. Donc voilà, merci à tous et à demain pour la suite.